sur Contact Pro Live. Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour. Ravi encore d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler encore une fois de plus de l'état de siège. L'état de siège qui a été proclamé depuis le mois de mai dans les deux régions du Nord Kivu et de l'Ituri. Ça bat de l'aile, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans ces deux régions. L'insécurité continue à être grandissante. Nous avons deux cloches, trois même. Les uns parlent d'une certaine amélioration, les autres parlent d'un secret recrudescence de l'insécurité et de massacres. Finalement, la population, le peuple congolais est voué à son propre sort. Nous qui avions des témoignages ici à Contact Pro Live, on se demande qui a raison, qui ne l'a pas raison. Mais nous savons toujours que la vérité finira toujours par éclater. On parle des infiltrations, on parle de la mégestion même de cet état de siège. On parle d'une certaine accalmie, le gouvernement parle d'une certaine amélioration, le gouverneur eux-mêmes encourage ceux qui les ont envoyés là-bas en leur disant que non, l'état de siège va mieux, il faudrait du temps, il faudrait des moyens. Finalement, on ne voit pas la fin de cette histoire-là. Et de plus en plus que le temps passe, nous nous approchons encore en 2023, on ne voit pas encore l'issue de cet état de siège Bandeko. Et ça, ça la passe. Tant que tu as une image, au village tout entier, et ça, que ça la déserté, tu as un village, on se pose la question finalement, tu as une amélioration, est-ce que tu as une amélioration? Quel est le signe que ces gens-là peuvent nous montrer en disant que non? Tu as une amélioration, tu as une occupation, tu as maintenant ils ont repris les activités et sont normalement, il n'y a plus d'insécurité. Mais chaque jour qui passe, Bandeko, nous ne cessons d'enregistrer des morts et des morts et des morts. Les autres Kolobelango sont sous l'état de siège, mais nous allons décortiquer de quelle façon la justice militaire, Bandeko. Et justice militaire, côté Kuna Ezako, on nous avait promis que non. Pendant l'état de siège, il n'y aura pas la justice civile sera suspendue. Mais les notes qu'on nous tarananou, qu'est-ce qui se passe avec cette justice militaire? Nous avions appris qu'on avait arrêté des gens, on avait fait ceci, on avait fait cela. Il y a eu des colonels qui ont été impliqués dans la malversation, il y a eu des détournements. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on a jugé ces gens? Les gens qu'on nous dit qu'on arrête, où est-ce qu'on le met? Batou bazo sala na babao, bakanga bazo sala na bango nini? C'est tout ça qu'on va parler dans cette émission d'aujourd'hui, dans l'état de siège d'aujourd'hui. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour décortiquer notre sujet, la justice militaire dans les régions proclamées d'état de siège. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Beni, interpellation d'une cinquantaine de jeunes. Et puis Isiro et Ituri Pito, un député provincial jeté en prison. On va sur actualité.cd. Année scolaire 2021-2022 en RDC, la gratuité de l'enseignement maintenue au primaire. Le gouverneur appelé à réduire drastiquement les frais scolaires et en secondaire. RDC, plus de 1200 morts parmi les civils et 1100 viols cette année dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pas sur Congo profond. Une rame de 12 conteneurs contenant le matériel de construction de barrage de Katende réceptionné par une délégation de la présidente de la République. Et puis, un coup d'État peut-il être légitime par Roger Claude Liwanga, chercheur à l'université Harvard. On va sur 7 sur 7. CENI, les 6 confessions religieuses non concernées par les bons offices de Mbosso. Et puis, on va sur... Justement, Kinshasa Lamouka constate que
Jantini Ngobila a pris acte de sa marche le 15 septembre. On termine par 7 sur 7. Sud-Kivu, FARDC détruise une bastion de milices dans les Ruzizi et puis 18 officiers de FARDC s'engagent à réprimer les violences sexuelles. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, Bandeko, à Kinshasa, l'actualité est préoccupée par, et ça prédominé par Makambwa sextape, il y a, on ne sait pas, le Parlement, on dit que Makambwa Seni, on parle de... Donc, cacophonie, mon Kouezaka, à Kinshasa, tellement qu'on a essayé un peu d'oublier de, à l'Est. Nous sommes dit, Bandeko, on a contact pro-life, nous en parlerons. Tokotika la cosette na Makambwa Est. Nous alternons toujours. Vous allez remarquer même dans nos génériques que tous alterné pour que Likambo Oya Est étique à la vivant. Parce que nous disons ceci, Bandeko. Likambo Oya Est, oh, c'est un arbre qui cache la forêt. Tous autres indicamati côté à balkanisation, Bandeko. Batwa comme koloba on non Likambo ezo salema na Guinée ko ko salema na RDC nous avions entendu ba déclaration à Museveni, nous avons suivi Kagame, nous avons suivi tout ce bon monde, en tout cas l'Est pour l'instant to ébité place ni tozali. Je crois que vous n'êtes pas sans le savoir que l'armée a toujours dit que nous avions conquis des villages. Nous avions arrêté 3000 Kodeko, ou bien nous avions arrêté tout ceci. Tous ces gens-là, basala kanabango nini, ba arrêta kabango, ba tia kabango wapi. Le président de la République a créé une autre branche, ce qui a DDDRR, wana, ce qui a pour récupérer. Misala nango nini, après avoir signé cette ordonnance, nous constatons que jusqu'aujourd'hui, eloko wana nano e salemite. D'ailleurs, la moutou o e banoma ki wana, na tete ya yanani wana, il y a un département, on a hasard rebelle, paix. C'est quelqu'un avec qui on s'était dit, ça c'est monsieur qui a tué, il a le sang sur ses mains. Donc, hasard commanditaire, un massacre rebelle, il a été cité dans les rapports, il y a un commanditaire, il y a un au Zalakana Est. C'est lui encore que vous allez mettre à la tête, il y a un tout haut. Oh, ma rebelle, oh, il y a un moutouane, il y a un combattre. Est-ce que ces gens-là accepteront de quitter la forêt pour que Bazala engage dans Moutou Oyo, qu'on connaît que c'est le monsieur qui a été impliqué dans le massacre? Point d'interrogation, Bandeko. C'est comme ça que moi j'ai dit que Babiloko et Beleza Kosalema dans la République démocratique du Congo, parfois nous ne réfléchissons pas. Bota la bino mouka kalikamba Tony Mouaba, Nama Kambaba Sextape. On dit, on sort aujourd'hui avec des sorties médiatiques, on fait des bruits pour se rétracter un tout petit peu. Oh non, on n'a pas dit ceci. Non, bah, au lobby, les lobes, au lobby, on se contredire. Notre pays est entre les mains des aventuriers. Notre pays est entre les mains des amateurs qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train de mener le pays. Tozo keneka na boulou yeke nengwana. Toloba ki a, tolobi, gouverner se prévoir. Batou otan ozoya kosala, ozoya na kosala moussala. Surtout comme dirigeant. Je crois que vous devez avoir un plan. Na kobandela wapi, na kozo kene na mboka awa wapi. Mais dans ce que nous voyons ici, ba gouvernement otoza nango, c'est comme si bazo gérer les affaires courantes. Et réagir aux actions qui sont en train d'être posées. C'est ainsi même na kati état de siège kuna. Tozo mon até armé na biso ezaka kolobate que non to attaquer, non. Armé na biso ezaka ka réaction. Et on s'occupe des histoires qui se passent place Pezali. Ne toza ko s'occuper, non, bo futa ba pa ko so. Pendant que les gens ne savent pas aller au champ, bozo futa bango ba pa. Alors, la justice militaire en obatouana basala ka nini? Qu'est-ce qui se passe au bateau, au bakangi, basala kanabango nini, bakanga kabango, bakeko tia bango na prison? Notre phare de scène à communication au bango bazolo belabiso. Nous pensons qu'il devrait nous rendre compte, par exemple, balobi, na justice, tozui par exemple, ou bien ba investigation boye, tokanga ki dis, ou bien les gens au bazako le bateau, bateau basse.
bah se rétracter na katia ba rebelle wana ou bien ba Codeco ba Kangi ou bien ba ADF ba Kangi, ces gens-là devraient leur donner les pistes en principe à Koloba. Non, ba toi na baza place telle, place telle, place telle, place boy, place boy. Mais on n'entend rien. C'est quoi? Ça fait 4 mois. On a déjà arrêté combien? Le bilan n'est pas connu. Le premier ministre est parti là-bas, à Batouba, Kenda Yekuna. Et ça, c'est un voyage à tourisme. Okoyo Kaka Kuna, c'est le même langage. Non, nous sommes en train de faire du bon travail. Le travail, ça va continuer. Entre temps, Okoyo Kalobi Kuna, Bakangi, Batoumbi Mituka, Bomi Batou. Hier, on a tué encore 10 personnes. Lobby, bah, bon, qui te dissous 10 personnes. On se pose la question finalement. Bah, toi, en gros, baza, et ça, ni biri, ou comme on dit à Kinande, bah, mizimu, en swahili. Et ça, bah, toi, bah, mon anakate, bah, invisible, bah, toi, baza, comme on m'abattu. Nous avons dit que l'armée doit nous donner vraiment état de lieu, bah, état de siège. On a bah, et ça, biso, que non. Ennemi, toi et toi et toi place ni ennemi, mais qu'est-ce que nous devons faire pendant ces 4 mois? Ils doivent nous dire que à partir de Awa, voici la solution que nous allons mettre en place pour que tu conquérir Babilo Kwana. Baza la solution, te faire de ces la solution. Et Zaka Kawana, en pensant que en déclarant que état de siège, makamango kokende yango moko et komu bongisa yango moko te. Nous devons faire quelque chose pour nous arrêter Bilo Kwana. Et c'est la responsabilité de FARDC. FARDC ne m'a pas responsable à Koloba. Awa, il faut tout kanga. Awa, il faut tout kanga. Awa, il faut tout salaboy. La solution était claire, Bandeko. Solution pour l'état de siège, Nabiso. État de siège, Wana. Parce que le peuple avait réclamé ça. Il y avait une solution, je vais vous le dire encore une fois aujourd'hui. Solution Zalaki Nini. Cantonner les forces, les phares d'essai. Il faut qu'on cantonne les phares d'essai. Monisco est Kende. La Monisco doit partir parce que la Monisco connaît beaucoup de choses et qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas intervenir. Monisco Bayebi, c'est pour cela même la dame l'a dit. Bitumba o ekosi la kanamando kite. Mais aujourd'hui on intimide les gens. Non, ba kobeta ba bunduki, ba ko clean up ba engin na bango lourd. Vous combattez un ennemi que vous ne connaissez pas, mais vous avez un bibundeli. Et ils ont ça les locaux à mon côté. Cette histoire-là devrait être étudiée. Parlons-en un peu de la justice militaire. Nous avons constaté sur terrain Bandeko. Na butembo toza na ba groupe de pression civil auto lo baka ba groupe de pression ya Lucha ya Veranda Mutsanga na ba mama na ba baba tuebele ba société civile et bazala kana groupe de pression. Quand vous allez dans le prison de Butembo Bandeko okoyoka oyo aza ADF oyo bazaka kawana je ne sais pas ba jija kabangote. Où il y a des musiciens qui ont été arrêtés pour rien, il y a même des gens. Et là, quand on a colombé la lélo, mingi, zali, groupe de pression, moko babenga ka Veranda Mutsanga, Bandeko. Bana wana, bazaki ko denonce, ils arrêtaient même les bandits des grands chemins. Basalaka, ezababa, basalaka ka protection, donc police de proximité. Ce sont des jeunes gens qui se sont dit Tokobanda Kosala taba veillé. Total aneni ni ba munguna zoya. Ils ont découvert que ba tumsus baza ba faire de ça. Mais maintenant le politique, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire ça, mais en attendant na ebisabino nanu. Eza na garçon moko kuna Jay Kisasa. O azalaki Jay azalaki nani suppléant ya Tembos yota m'appelle comme nani député national. Type wana balobi bakangie parmi les gens qui ont été des coupeurs de chemin. Le FARDC n'ayant pas trouvé, ne trouvant pas, ba ADF, ba comment kokende bakangi batu, bakanga kabatu kakaboy. Pourquoi? Ba kokanga parce que c'est ça le motif qu'ils sont en train de justifier que non, bazo sala musala.
Nous avions dit ici que les ADF n'existent pas. Bah ADF, bah soldats, oh, ça, bah groupe militaire, oh, bah FARDC, bah généraux, n'abissons, bah équipa, bah tiens, bah mon abasamba. Ils sont partis sur le chemin où on va couper des routes à Nabazali. Maintenant, le FARDC, le FARDC, on a ADF, on a Boumakabatou, Bakangi, Bakarswana. Parce que c'est comme ça que l'ennemi comme ça commence à fonctionner. Le FARDC étant le même, le ADF, comment on a Bango, on a Moi, comment on a FARDC. Bakomi na butu bakomi ba ADF bakokota na ba village bakobotola bataba bakobotola ba nani ba biloko ebele ba keko supply bandeko na bango parce que na ba groupe wana okomona na ba groupe wana baza stam susu 4 FARDC o baza rekoni ba tum susu baza ba bantu na bango ba groupe na bango o baza na kati ya zam. Pourquoi tozo lo ba boye? Parce que okomona ba to susu tozo bazo kangama na ba garçon na ba tu ya ba village Baulati lati babilo kwa bafarde se ba msusu bazana banani te. Eza ba group msusu commandité par les commandants de FARDC. Batwana msusu la plupart de ces commandants là, ils sont d'expression kinyarwanda. Bazana kati ya FARDC na kati ya nani. Okoyeba bangote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les garçons qui se sont dit tokotala tokosala ba veye tokende pe kosala ba patrouille na biso. Bakanga bango bakuta boye bakuta na FARDC koloba bino boye kosala nini ne clash komaka bakangi batwana baye kotika bango balobi oh bao nde ba ADF bakouper de route. Mais maintenant la justice comme elle est instrumentalisée comme justice ça garçon na sia sali presque je crois un mois yango na batu ils sont un groupe de 13 personnes. Ça ce sont des garçons qui se sont dit que non bandeko ba ADF photo kanga bango totala bango nini ni bazalaka. Mais ils se sont trouvés face à face avec ba tumoko boye ba ADF wana mais qui sont FARDC ne confusion place kotaka. Alors le FARDC ne voulant pas bazo lingate ke eloko ici là qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dire non écoutez ba nani motif ya solo yango keno ba ADF bango oyo eza population soko za na mutema donc oza na mal chance bokukuta na tamsu bato bakende ba cultivateur baza na ba machete ba okanga bango tamsu bako loba o ya ADF bakangie pour justifier keno bazo sala musala. Il n'y a pas des ADF, c'est pour cela que nous sommes dit politique oyo eza politique eza kouta likolo. Bandeko, justice mon côté militaire et au salem. Les neuf ou bien les dix, ceux qui t'ont compté, bah officiers, oh, bah kangani, ils sont à peu près une affaire de 21 officiers. Attends général mon côté. Attends général mon côté, na katia officier, zaka bah colonel, bah major, bah onun, de goma jusque même na côté na Ituri kuna. Oh, bah zakolo, bah keno. Bangone mutubaza ko détourner ba fond. On ne dit pas qu'ils sont impliqués dans les histoires de ADF, non. Ezaka ka ba fond, oh ba détourner ki ba fond tout ça. Vous allez voir que vraiment eza soni mingi justice militaire wana eza ya solo te.
Et ça nous met dans une situation où on se pose la question, Tokosuka wapi na makamboyo. État de siège oyo kosuka neni. Recommandation à Souka Poto si c'est émission na biso à lelo. Il faut absolument la solution qui a été donnée par le peuple puisse être applicable et appliquée pour que état des nani mabatueri wana ici là. Nous pensons que na baba nani oyo ba par rapport à faire de ces akoloba non que non va bah, bah, former bah, commando tout ça, on nous fait voir que le phare de ces est armé pendant que nous savons que loko eza est aussi la bongoté. Nous avons besoin que nous posions une autre politique pour que makambo état de siège ici là. Il faut que le civil puisse rentrer bah, administrateur bazonga. Appelons ce que j'ai toujours appelé ici l'état des liens de toutes les quatre provinces, les trois provinces plutôt, Nassimna Moma Oyo. D'abord, moi j'ai toujours dit que non. Situation Nyonso, il faut Ezala globale sur toute l'étendue de la République. Et c'est le temps. Parce que Eloko Sokito Saliango, nous n'avons pas besoin de faire des essais. Nous n'avons pas besoin de la Monisco. Nous avons besoin à ce que le peuple d'abord puisse s'assumer. Le peuple va là en face de leurs propres responsabilités. Il y a koloba likambo yo eza likambo ko uta solution ko uta Kinshasa te. To tcha ba arme na se to solo la. Même atana na sud Kivu na ba minembo kuna. Ba tuana bazana besoin que ba tuba se rassurer que non bandeko. To sala nini? Nous avons dit ceci. La première des choses qu'il faut faire dans tous ces deux territoires wana eza na kati état de siège. Retrait carrément y a faire de ces bas retirer bango bas cloisonner bango bas cantonner bango na banane na ba caserne moko de façon que na bamboka kuna nyoso que les gens se prennent en charge. Vous allez voir que batuerie kozalate batuo bazako bomba na nzamba za ba faire de ces bazomo ma batu pona ni pourquoi est-ce qu'ils tuent les gens? Il n'y a pas de exacte que non mouto village mouto villageois sali lo comme côté azana nani lo comme côté bozobo maeka kabo pona nini. C'est pour cela nous nous sommes dit pona ko dévoiler batwana faire de ces ezonga nangona nuna ba cantonner ba faire de ces bati ka police de proximité. Pendant ce temps là on appelle ba état de lieux ya ba territoire. Donc dans chaque territoire, notable, chef du village, chef de secteur, les administrateurs de territoire, réunir tout, surtout dans leurs tribus respectives. Toebika, par exemple, en Amasi, si tu as quatre tribus, notable, tribu, on a baillé, côté, pour na baillé, covant ensemble. Que ce soit parmi eux, bah, yo, kanaba, fanda, bah, lo, bah, Tozo Bundanini, qu'est-ce qui nous et là qu'on y n'est pas que ça la biso à Poto Bundaboy. Pendant ce temps-là, qu'on programme maintenant l'identification et le recensement de la population et aboutir pendant que Kinshasa et qu'on s'apporte kaka batouana basolo la balouka moyen à consili saba massacre wana. Sur le plan administration économie, la justice, ce qui justice n'est pas salaté, comment est-ce que nous pouvons faire? Et ceci doit être accompagné par les députés de tous ces territoires-là. Pendant ce temps-là, ba mesure toza koloba, ba kangana nou ba frontière, exportation ya ba matière première est salaté. Qu'on ouvre les centres d'exportation, ba centre d'exportation zala peut-être na Goma, ou bien à Moutoua, n'ingé quoi exporter, ma or, ou bien quoi que ce soit, doit avoir une autorisation à partir, il y a territoire, ou bien à partir, il y a autorité civile, il y a place wana. Mais qu'on fasse par exemple 3 mois exportation et kozalate, police de proximité et kenge la ba frontière, si nous avons besoin, il y a ba force extérieure, à ce moment-là, nous pouvons appeler une force qui n'a pas été comptabilisé dans la force de l'ONU au Ezakote Kuna. Ezalaba Irigwe, Ezalaba Nani Msusu,
et la force moko externe. C'est ça la solution qui a été exposée bandeko. Voilà un peu na avancer moi mon ken na kati pour na toto solution ndenge ezalaki. Mais la justice militaire là-bas, elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a même pas aucun résultat depuis tous ces 4 mois, il y a état de siège na biso. Voilà, nous allons nous limiter là-bas. Si vous avez aimé, mes chers amis, laissez un petit like. Botika moi message moko atabokiko benga biso to yambaka na biso phone. En tout cas, nous sommes très contents de ceux qui se sont abonnés hier encore une fois de plus. Boza kopé sangai vraiment makasi pour na continuer émission oyo. Parce que ba abonnement on a de tozana ngo besoin pour que to kolisa émission na biso. Ne manquez pas aussi de partager ce qu'on simi au tangi tindaka te pa ba tumsusu et au pesanga bien. Merci aussi pour tous ceux qui sont en train de couper ces petites émissions ba nini mususu botia ngona ba WhatsApp et zo salanga bien. On se revoit demain dans un nouveau numéro où on parlera encore une fois de plus de l'administration na identification parce que c'est un sujet qui est vraiment en top. Nous voulons ce que l'identification puisse se faire dans un essalement bien pour que tout décolle, qu'on en finisse une fois pour toutes. Nous en parlons demain, ne manquez pas. Passez une bonne journée, au revoir, on se revoit demain. Au revoir.